<smart> i <noise> Bonjour, bienvenue à la zone jeu de société pour les premières impressions de Alman Matter de Egert Spiel. Donc, euh, jeu gracieusement offert par Plan B ici à Rigaud, Donc, euh, un de nos euh, joyeux voisins. Alors, on vous remercie encore Plan B pour nous l'avoir offert. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce magnifique jeu de Alman Matter Je viens d'une certaine manière de vous le dire euh, C'est un jeu magnifique, très bien ficelé, si vous voulez avoir mon avis, et qui se joue très bien à deux ou même à trois ou encore à quatre. C'est sûr que euh, si ce n'était que moi pour ce type de jeu euro-là, j'aurais peut-être évité le joueur neutre en tant que tel. Mais le joueur neutre rajoute dans la partie à deux un niveau de difficulté qui est nécessaire justement pour avoir une partie à deux joueurs qui euh, fait du sens et qui euh, ne ne permettra pas nécessairement à tous les joueurs de faire ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent, hein. donner des quelques difficultés ne serait-ce que pour faire une certaine action comme aller chercher un étudiant, aller chercher un professeur ou quoi que ce soit d'autre, euh, de rajouter une difficulté dans le sens qu'il va falloir y mettre deux mètres au lieu d'y mettre qu'un seul mètre à certains endroits comme si un joueur y avait joué. Alors, Ignotus est quand même très, très, très important dans une partie à deux joueurs. Par contre, je dois avouer que dans une partie à trois ou quatre joueurs, Ignotus n'étant pas présent, c'est un peu plus aléatoire. Pour la simple et bonne raison que là, on va avoir des joueurs qui vont placer des maîtres à des endroits sur des places d'action au fur et à mesure du tour, du round. Et donc, on n'est pas capable de vraiment prévoir Exactement ou presque ce qu'on va faire. Bon, on s'entend qu'il y a deux joueurs, il reste quand même il y a un joueur humain qui risque de nous empêcher de faire certaines actions, mais ce n'est pas exactement le même feeling. Est-ce que ça vaut les critiques que j'ai pu lire sur le, le net à ce propos-là? C'est-à-dire au propos d'Ignotus, le joueur neutre. Je crois pas, non. Je crois que le joueur... le, 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 le Ignotus... Change un peu la partie, oui, ça j'en conviens, mais d'arriver à dire que la partie à deux joueurs devient moche, je suis parfaitement en désaccord. C'est un jeu qui reste, qui garde son essence, même à deux joueurs avec le joueur neutre, que si on jouerait une partie à trois ou à quatre joueurs. Du moins, c'est mon avis, je vous le partage. J vous savez, à la base, j'aime pas trop les jeux euros. C'est comme ça. Euh, je ne vais pas faire nécessairement une différence euh, euh, là-dessus. Euh, je ne vais pas nécessairement changer mon opinion pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais les jeux euros, habituellement, je n'aime pas ça. Euh, prenez Orléans, par exemple, que je trouve totalement trop compliqué pour le gameplay que ça va me donner au final. Je suis désolé, je sais que plusieurs d'entre vous aiment Orléans, c'est le cas de Martin, mais moi j'aime pas ça pour cette raison-là. Trop compliqué, trop d'actions, trop de choses à faire. C'est ce que j'aime dans le Mamater, en fait. Dans le Mamater, on a les actions, on a des actions, euh, on a des actions collégiales, peut-être quatre ou cinq maximum, différentes. On a l'action pour les professeurs, l'action pour les étudiants. Puis euh, aussi on peut faire des lectures avec nos professeurs lorsqu'on en a pour les ressources pour les pays. Ce qui fait en sorte que c'est quand même très simple comme jeu euro. Euh, c'est ça que j'aime. C'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus accessible à un ensemble de personnes, et particulièrement euh, les gamers ou les gens qui aiment les jeux de société et qui ne veulent pas nécessairement s'investir au point d'en avoir un mal de tête. la terre, c'est simple. Alma Mater, c'est un jeu qui est très ancré dans son ambiance. On a vraiment, moi personnellement, j'ai euh, pour les, les quelques parties que j'ai jouées, dont celles que vous avez vues sur euh, euh, que vous avez sur la zone, euh, sur la chaîne YouTube, ben j'ai vraiment l'impression de monter mon université, c'est-à-dire d'aller chercher les livres, regarder ma bibliothèque, avoir dans mon, dans mon entrepôt le nécessaire pour payer mes profs, pour essayer d'attirer des intellectuels, d'avoir plus de maîtres, d'augmenter mon prestige, d'aller chercher des étudiants qui vont, qui vont apporter à mon université. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette ambiance-là. Et c'est très, très, très marqué. Donc, Alma mater je vous le dis, je vous le propose, je vous le suggère, je vous-même, je vais vous, vous dire pour ceux qui euh, aiment les euros, mais pas trop compliqués, Alma mater je vous le dis, c'est fait pour vous autres. Alors, voilà, c'était court cool, ma première impression, mais je crois que ça en valait la peine. Matériel d'ailleurs qui était. Euh, je vais juste rajouter matériel d'ailleurs qui, qui est quand même très, très, très bien. Moi, ce que j'ai aimé, surtout, c'est les petits livres de plastique, parce qu'on voit vraiment l'impression d'avoir des textbooks. Là. Donc, euh, ça, c'est vraiment magnifique. C'est un deux pouces en l'air juste pour ça. Donc, j'espère que vous avez aimé aimé cette première impression sur la zone. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très, très, très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bien sûr. Et bien sûr, hey, c'est super les enregistrements. Donc et bien sûr, ben euh, allez euh, sur notre page Facebook, notre Instagram, je vais finir par le dire, allez sur notre Patreon si vous voulez nous donner également un petit un petit coup de pouce à moi et Martin pour vous offrir du contenu et bien sûr allez sur le site web de notre commanditaire ou directement chez notre commanditaire si on est en période de non confinement, on s'entend. Le valet de cœur au www.levalet.com Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.